Après Kevin Gage et Carla Moro, Nicola Losina et Laura Lampica, c'est Martika Caringella qui a officialisé sa séparation avec Umberto Toretto en janvier dernier. De quoi surprendre ses abonnés, bien que certains indices laissaient présager que le couple, qui s'était discrètement passé la bague au doigt en mai 2021, battait de l'aile. Lorsqu'une relation arrive à son terme, il faut savoir l'accepter avec sagesse et sans trop de regrets. Point. Avec Umberto, nous avons décidé de mettre fin à notre relation et de se séparer, écrivait l'ancienne candidate de télé-réalité dans un long texte publié sur Instagram. Au lendemain de cette annonce, celle qui s'est fait connaître en 2014 dans le Bachelor 5 en disait un peu plus sur les raisons de cet échec sentimental. Elle a ainsi fait comprendre qu'elle était à l'origine de cette décision, une rupture, c'est jamais évident, après, il y a quelque chose qui me rassure, c'est que je reçois énormément de messages mais vraiment, énormément, expliquait-elle, reconnaissante, à sa communauté, avant de faire passer un message implicite, des messages où beaucoup de femmes sont dans la même situation que moi. Des mamans qui n'en peuvent plus de leur vie et qui ont envie de quitter leur mari, courage à vous. Martika s'est ensuite montrée rassurante, déclarant qu'elle avait bien l'intention de rester positive et qu'elle se battra toujours pour ses filles parce que ça restera sa priorité dans la vie. En effet, Martika et Umberto Toretto sont les heureux parents de Mia, née en novembre 2019, et de Gioia, qui a vu le jour à l'été 2021. Martika Caringella, Umberto Toretto et leurs deux filles Dr Martika Caringella a tenu parole désormais mère célibataire, l'ex de Julien Guirado doit composer entre son quotidien de maman et de femme active. Maintenant qu'elle a définitivement tourné le dos à la télé-réalité, Martika se consacre à sa carrière d'influenceuse et a avoué avoir le cœur brisé lorsqu'elle est obligée de se séparer de ses filles, pour des raisons professionnelles ou lorsqu'elles sont chez leur père. Toutefois, comme elle l'avait promis, la candidate de maman et célèbre n'est pas restée bloquée sur le passé. Elle semble d'ailleurs bien se remettre de sa rupture avec le père de ses enfants. En témoignent ses récentes stories, dans lesquelles elle répond à ses abonnés qui lui demandaient de ses nouvelles. La vie continue très active sur les réseaux sociaux, Martika a partagé des images de son séjour à Marrakech, au Maroc, où elle passe actuellement du bon temps en famille. Un voyage qui lui fait beaucoup de bien, sur une terre où elle se sent ressourcée. L'occasion pour la jeune maman d'organiser une session question-réponse sur Instagram et de donner des nouvelles à ses abonnés, dont certains s'inquiètent pour elle. À l'un d'entre eux, qui lui demandait comment elle se sentait depuis qu'elle était célibataire, Martika a répondu, libre, en capitale d'imprimerie. Un autre a voulu savoir si elle s'en sortait depuis sa rupture. Et l'on peut croire que la jolie brune a définitivement tourné la page, pourquoi je ne m'en sortirai pas? Le monde ne cesse de pas écrouler sur ma tête. La vie continue. A-t-elle répondu, visiblement déterminée à aller de l'avant. Capture d'écran @Instagram. Si Martika Caringella n'hésite pas à faire part de ses états d'âme sur la toile, ce n'est pas le cas de son ex. Umberto Toretto n'a jamais jugé utile de s'exprimer sur la toile au sujet de leur séparation.